Donald Trump a signé un décret présidentiel pour imposer une nouvelle série de sanctions contre la RDC lors d'une rencontre avec les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon. La Maison-Blanche a déclaré que les industries de l'énergie, de la médecine, des mines, des textiles et des transports de la RDC figurent parmi les secteurs qui sont ciblés. Les sanctions viseront également les entreprises individuelles et les institutions financières qui financent et facilitent le commerce avec la RDC. Pendant ce temps, les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu que Séoul devrait mettre en place des équipements militaires plus avancés pour éviter les menaces du Nord.